Mardi, 23 juillet 2024, je vous propose de revenir au cinéma, enfin, toutes ces péripéties, en abordant un des très grands films d'un réalisateur français qui est resté dans l'histoire, qui s'appelle Alain Resnais. Alors, Alain Resnais, on le confond souvent avec la Nouvelle Vague, alors qu'en fait, il est antérieur à celle-ci. C'est le cinéaste de Hiroshima, mon amour, l'année dernière à Marianne Bat, donc le premier écrit par Marguerite Duras, le scénario, le deuxième c'est Alain Robbe-Grillet, donc les deux papes du renouveau roman français. Hein. Ensuite on va voir Muriel, La guerre est finie, Stavisky avec Jean-Paul Belmondo, Providence qui aura un film britannique avec notamment John Bigwood qui va recevoir une pluie de César et énormément de récompenses dans différents festivals. Ce fameux Mon oncle d'Amérique, qui sera suivi 3 ans plus tard de La vie est un roman, nous fera découvrir une certaine Sabine Azéma, puis Mélo. Ça va continuer comme ça. Alors, ce qui est passionnant en fait avec Mon oncle d'Amérique, c'est qu'on a affaire à un film qui fait de la philosophie et de la science. Alors, l'histoire, le film date de 80. On a un professeur qui est vrai, hein, qui s'appelle le professeur Henri Laborie, qui va intervenir au cours de 3 récits entremêlés pour expliquer ce que nous savons aujourd'hui du comportement humain. Donc, l'histoire même du film, c'est qu'on a un personnage qui est joué par Roger Pierre, qui s'appelle Jean, qui est issu de la bourgeoisie, qui est ambitieux et qui mène une carrière politique et littéraire. On a une autre qui est comédienne, qui s'appelle Janine Garnier. Et pour elle, il va abandonner cet homme politique, sa femme et ses enfants. Janine, quant à elle, qui est jouée par Nicole Garcia, qui est dans les premières années de sa carrière, elle a quitté sa famille, qui sont de modestes militants communistes, pour vivre sa vie. Et à la demande de la femme de Jean, qui prétend être malade et condamnée, elle va le quitter, puis elle va devenir conseillère d'un groupe textile, où elle doit résoudre le cas assez difficile de René Raguenaud, qui est fils de paysan catholique, devenu directeur d'usine et qui est joué par Gérard Depardieu. Alors, le film se déroule en fait sur, vous allez voir, en permanence sur 3 niveaux. Alors, il y a l'histoire, là, celle que je viens de vous raconter. Il y a un deuxième niveau qui sont les représentations mentales des protagonistes, qui sont influencés par à la fois le cinéma et par leurs souvenirs. Et puis enfin, et c'est là où Laborie va rentrer en scène, puisque Henri Laborie, c'est un scientifique, un biologiste. Des images d'expériences qu'il va faire sur des rats, qui vont devenir extrêmement éclairantes sur le comportement des personnages à la fin du film. C'est-à-dire qu'en clair, Laborie a fait une théorie selon laquelle, après étude, il fera un parallèle entre le comportement des rats dans des labyrinthes et nous autres humains coincés dans ce qui s'appelle une société. Et alors pour lui, notre conduite, elle est réglée par 4 éléments. Le fait de consommer, boire, manger, copuler. La gratification, c'est-à-dire être récompensé. Évidemment la punition, avec pour issue, on peut lutter contre cette punition ou on peut prendre la fuite. Okay. Et enfin, ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. C'est-à-dire, en fait, on est médusé, on ne bouge plus. Et pour ça, il va reprendre la théorie d'un certain Paul MacLean, des 3 niveaux cérébraux, qu'on appelle le cerveau triunique, qui guidait, à l'époque, la réflexion neuroscientifique. Alors, quels sont ces 3 niveaux du cerveau? On a ce qui s'appelle le cerveau reptilien, qui est commun à tout le règne animal et qui assure nos réflexes de survie et qui dirige notre comportement de consommation. Okay. Quand on a envie de baiser, vulgairement, ou de bouffer, ou de picoler, c'est le cerveau reptilien qui est en fonction. Le deuxième cerveau, le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Lui, il est commun à tous les mammifères. C'est celui de la mémoire qui va guider notre comportement de gratification pour obtenir une récompense.
c'est ce cerveau qui nous fait fuir des expériences qu'on a connues dans le passé et qui se sont prouvées être douloureuses. La fameuse expression « chat échaudé craint l'eau froide ». Et ce cerveau va nous faire agir pour rechercher ce qu'on appelle le plaisir, la gratification. Et si toutes les issues sont bouchées, si on n'arrive pas en fait à trouver une solution pour avoir ce qu'on appelle une récompense, eh ben, l'inhibition de l'action, ça va provoquer le stress. Le stress va se coller dans le corps et déclencher ce qu'on appelle des maladies. Je termine par le troisième et dernier niveau du cerveau, ce qu'on appelle le néocortex, qui est plus développé chez nous, l'espèce humaine. Il permet d'associer des idées provenant d'expériences différentes, plus abstraites, et il ne nous sert hélas bien souvent qu'à tenir un discours qui permet de justifier nos deux premiers comportements. D'accord ? Alors, on peut dire que le néocortex devrait nous permettre de comprendre que ces deux premiers cerveaux, le limbique et le reptilien, n'instaurent que des comportements de domination entre les humains. Or, l'humain n'est fait que de son contact avec les autres. Ne pas être conscient qu'il faut au moins canaliser ses instincts de domination, puisqu'on ne peut pas les éliminer, ne peut conduire qu'au malheur individuel et collectif d'une société. Ainsi, selon le professeur Henri Laborie, qui conclut le film, connaître ces mécanismes ne permettront certes pas de les éliminer, mais au moins de les utiliser pour faire autre chose. De même que l'étude patiente des lois du mouvement n'a nullement supprimé la gravité, mais nous a permis néanmoins d'aller sur la Lune. Et contrairement à ce qui est généralement admis, le cerveau n'est pas le centre de la pensée, mais c'est celui de l'action. Donc voilà une thématique absolument passionnante, vous voyez, qui a à voir avec la biologie, avec la neuroscience, avec la philosophie, qui va être appréhendé par Alain Resnais dans un film qui est extrêmement lisible. Ce que je veux dire par là, c'est que ce film qui paraît intellectuel, qui l'est d'ailleurs, c'est un film qui, de par sa construction finalement qui est très simple, vous voyez des personnages agir, on illustre cette action en voyant que les choix qu'ils vont faire à tel ou tel moment vont être tributaires d'un certain nombre de choses qu'ils ont déjà vécues, en bien comme en mal, pour faire la même chose ou pour prendre le choix différent, et également de leur imaginaire. C'est-à-dire que si par exemple vous vous identifiez à un X-Men ou à Gary Cooper ou à James Bond, vous allez avoir tendance à vouloir vous comporter comme lui. Et ça va influencer votre comportement et donc votre action. Ça illustre en fait pourquoi dans telle et telle situation on agit comme ça, parce qu'il y a un passé, et puis parce qu'il y a ce qu'on appelle l'univers du rêve de nos références. Et enfin, on va illustrer ça en montrant que les deux premiers cerveaux, le reptilien et le limbique, qui sont surreprésentés dans l'homme en société enfermé dans sa cage, se lever, aller au travail, gagner sa vie, se marier, tromper sa femme, etc., etc. En fait, tout ça, c'est exactement quelque chose qui est commun avec la totalité du règne animal, dont le rat. Le rat dans sa cage, ok? Et donc l'illustration, la comparaison avec le rat, qu'est-ce qu'on lui fait en fait quand il est dans sa cage? Que fait le scientifique, le biologiste? Il lui fait, on voit ce qui s'appelle des stimuli. C'est quoi les stimuli? Ça peut être de la lumière, ça peut être la faim, le fait de ne pas lui donner à manger, ça peut être des décharges électriques, ça peut être de lui donner à manger, ça peut être de lui demander de faire, par exemple, de passer par-dessus un obstacle et ensuite de le récompenser. Ça peut être ça. C'est ça les stimuli. Un stimuli, c'est par exemple, ça peut être la torture. On sait ça dans ce qu'on appelle la torture psychologique. Si vous empêchez quelqu'un de dormir, vous allez complètement l'affaiblir.
peut faire ça. Je veux dire, ça fait partie des expériences que les scientifiques font sur des rats, okay, des souris. Et on va voir que l'homme, en société, ben, qui domine les autres, qui est dominé par d'autres que lui-même, il est prisonnier, c'est pareil, d'un fonctionnement qui est ben, tributaire d'un, ouais, d'une programmation mentale, et donc d'un conditionnement, qui fait qu'il n'a pas conscientisé qu'il est dans une cage, et ne l'ayant pas conscientisé, il n'est pas capable de sortir de ce qu'on appelle ses besoins primaires, et donc de ses cerveaux reptiliens et limbiques. Ce qui veut dire que cet homme qui se croit libre ne l'est point. C'est ça que ça veut dire. Si ses réactions qui le font agir sont fonction de quelque chose qui peut être manipulable de par l'éducation, de par la programmation mentale, de par une action de domination plus ou moins visible, invisible, provenant d'un autre humain, notre homme libre n'est pas libre. C'est un rat en cage, purement et simplement. Donc, conscientiser l'existence de la cage, du bocal, c'est un premier pas vers l'affranchissement. C'est ce qui s'appelle prendre conscience de la loi de la gravité. À partir du moment où on a conscientisé qu'il y a une loi qui s'appelle la gravité, par exemple, comme le souligne très justement le professeur Laborie, on peut, sur cette base, construire ce qui sera le voyage en direction de la Lune. Et pour nous, à échelle humaine, qu'est-ce que c'est que le voyage sur la Lune? C'est l'apprentissage de la liberté, la seule, la vraie. Alors vous voyez, c'est ça que je trouve absolument exceptionnel. Moi, j'ai vu ce film, moi, j'avais 15 ans. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois parce qu'il m'a absolument fasciné. C'est une porte à la réflexion, une porte ouverte. C'est-à-dire qu'on est face à un objet filmique qui nous permet de prendre conscience de qui nous sommes. Et c'est, je dirais plus, beaucoup plus palpitant, parce que le film a très bien marché. C'est un film qui a rencontré un grand succès populaire en France, en 1991. Il y a eu, je crois, plus de 500 000 Parisiens qui sont allés le voir. C'est énorme. En fait, le cinéma peut vous permettre de prendre ce qui s'appelle une clé de lecture sur le monde. Vous avez le choix entre prendre des ouvrages de neurosciences qui sont épais comme ça, d'aller étudier dans des universités, lire dans des bibliothèques spécialisées, etc. Et en fait, le film vous propose une vulgarisation au travers d'une illustration. C'est ça que je trouve merveilleux, c'est que on a souvent le sentiment que nos scientifiques parlent entre eux, ce qui est faux. Il y a des scientifiques qui, fort heureusement, sont capables d'animer des conférences et de se faire comprendre de profanes, comme nous, et mettre à notre disposition en synthétisant leur message et en essayant de le simplifier le moins possible, nous faire prendre en fait la connaissance de leurs travaux, et là en l'occurrence c'est de leurs travaux sur nous. Laborie, c'est nous qui l'étudie, c'est pas les rats, hein, on est d'accord. Et ça sert à ça le cinéma aussi. Alors c'est qui cet oncle d'Amérique? Le titre est très énigmatique et en fait très parlant. Alors l'Amérique, c'est quoi? Pour nous autres Français et pour les gens, c'est le pays de la liberté. L'Amérique, c'est la statue de la liberté. L'Amérique, c'est le large. D'accord ? C'est l'ouest. Et en France, c'est à l'ouest. C'est de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est le continent qui fait rêver. Et donc, cet oncle d'Amérique, c'est le rêve universel de liberté. Il ne faut pas comprendre l'Amérique dans le sens littéral du terme. Ce n'est pas le continent américain, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, non. C'est le concept même de liberté qui est inscrit dans la représentation mentale que nous avons de qu'est-ce que c'est que l'Amérique. Et cette représentation mentale, c'est quoi? Ben, c'est ce troisième et dernier cerveau, le néocortex, qui, une fois qu'il est conscientisé et utilisé à bon escient, constitue
bah, les fondations mêmes de notre apprentissage de homme libre. Voilà l'immense apport à la fois théorique et cinématographique de ce très grand film de Alain Resnais, qui a beau remonter à il y a 45 ans maintenant, je l'ai revu il y a 2-3 ans, j'étais absolument frappé de sa modernité. Vous voyez, quand je disais que le cinéma français, dans ma génération, quand j'étais adolescent et jeune adulte, produisait des chefs-d'œuvre, qu'on ne voit presque plus aujourd'hui, c'en est un. Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, qui fut, je vous le dis, un très grand succès populaire, qui fut nommé, je crois, 8 fois au César, qui n'en remporta malheureusement pas parce qu'il y avait un compétiteur qui était exceptionnel, qui s'appelait Le Dernier Métro, et qui, s'il n'y avait pas eu Le Dernier Métro, c'est lui qui aurait tout rappelé. Hein. C'est vraiment la quintessence du cinéma français dans ce qu'il a de meilleur. De meilleur. Parce que c'est aussi un film palpitant. Bien sûr que c'est palpitant. Je veux dire, quand vous le regardez, c'est étonnant déjà l'histoire des trois personnages. Hein. Les trois acteurs, Nicole Garcia, Roger Pierre et Gérard Depardieu. Elle est déjà, c'est déjà très, très important sur... c'est fort sur le plan dramaturgique. Et si en plus vous rajoutez les éléments théoriques qui ne sont pas ennuyeux du tout, c'est très illustratif, c'est très vivant, et que ça vous permet de réfléchir, mais c'est passionnant, vous dites, mais voilà, mais ça c'est le cinéma. Ce n'est pas des petites historiettes qu'on connaît par cœur, comme un vulgaire téléfilm. Non, moi ça me fait toujours rire quand j'entends les gens dire, ah c'est filmé comme un téléfilm, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, les gens disent que c'est filmé comme un téléfilm quand il n'y a pas la caméra qui remue tout le temps avec du son THX. Pour eux, c'est ça. Alors que le téléfilm, justement, c'est le truc avec la caméra qui fait n'importe quoi. C'est ça un téléfilm. Quand vous regardez aujourd'hui, les téléfilms modernes sont filmés comme ça. C'est-à-dire n'importe comment. Ok ? Mon oncle d'Amérique, Alain Resnais, c'est un film qui existe, sachez-le, en VOD, en DVD. Alain Resnais est un cinéaste majeur. Majeur de l'histoire du cinéma français. Je vais prendre les plus connus. Hiroshima, mon amour, écrit par l'immense Marguerite Duras. Providence, évidemment. Celui-là. Et puis, on connaît la chanson qui sera, je crois, son dernier triomphe. On connaît la chanson, c'est une comédie musicale qui reprend, en fait, vous avez des personnages qui jouent. Et en fait, et l'action s'arrête, et puis on reprend des chansons populaires, et ils chantent des chansons populaires, mais ça a complètement un rapport avec ce qu'ils vivent. Dernier film qui est complètement en relation avec ça, qui est un diptyque, ça veut dire deux, hein, c'est Smoking, No Smoking. Alors ça, c'est un film exceptionnel, plutôt deux films. Alors c'est le principe, c'est avec deux personnages, interprétés par Sabine Azéma et Pierre Arditi, c'est adapté d'une pièce de théâtre anglaise, hein, par un certain Alan Aykroyd. Et en fait, ce sont deux personnages qui vivent dans un cottage à la campagne, en Angleterre. Et à un moment, le personnage, je ne sais plus si c'est elle, je crois que c'est elle, elle a le choix entre je fume ou je fume pas. Et en fonction qu'elle sorte ou pas la cigarette, qu'elle l'allume ou pas, son destin va prendre différent. Voilà. Et en fait, on va se retrouver avec des bifurcations. C'est-à-dire, si je fais ça, ma vie change. Si je prends, alors là, ça va complètement dans l'autre sens. Et le film va explorer ces cheminements, ces différentes vies possibles. On est complètement dans un registre proche, hein, vous voyez, de Mon oncle d'Amérique. No Smoking, c'est pareil. Si vous avez aimé Mon oncle d'Amérique, je vous le recommande dans la foulée. Vous voyez, ça complète extrêmement bien ce premier film. En tout cas, je vous souhaite, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, c'est un film absolument passionnant à voir et à revoir. Merci de m'avoir écouté.